Si on coupe, c'est moins drôle hein, de couper la caméra. C'était très drôle la blague. Maldé et compagnie, d'éteindre des caméras et d'éteindre le bureau. Enfin, la vidéo. Allez, donc bonjour à tous, on se retrouve donc pour le match Metz face au Havre. Donc, Love qui a besoin de gagner ce match. C'était match du coup. Vas-y. Vas-y, parce que je t'entendais pas. 10 ou 8. Comment ça, 10 ou 8 ? Points. Match. Je crois qu'ils ont 55, voilà, 55 points. Et match, ça va être le 27ème qui va être joué aujourd'hui, la 27ème journée. Pour l'instant, ça n'a pas encore commencé du côté de la pelouse. Ça commence à 45. Hein, donc. Ouais. Cette fois-ci, c'est sur la chaîne donc Beansport. Et donc Beansport, c'est à l'heure. Hein, c'est à l'heure, pas plus ni moins, c'est exactement à l'heure. Ça a commencé, je crois. Alors, je vais regarder. Normalement, ça. Ouais, commence. Ah oui, effectivement, ça a été lancé. Ce match Metz face au Havre. Alors. Pour l'instant, on voit pas grand chose. La qualité est pas ouf. Ah, c'est. Alors. On est sur Bing. Pour le la qualité est moindre que sur Prime, c'est vrai. On est sur le côté gauche, mais Metz qui a beaucoup d'intensité déjà. Et plus d'occasions. Bon, une grosse déjà occasion. Faute du Havre. La faute du Havre ? Ouais. Avec occasion pour Brest, oh, attention. Hein. Pour Metz ? Bah oui, Metz. Oui. Ouais. Ça se dit Metz. On a été là-bas pendant 4-5 ans. Ouais. Ah ouais ? Enfin, pas très loin. Ouais. On était dans les Vosges. Ouais. Donc on connaît un peu les lieux de là-bas. Je vais mettre place. Bien. On va voir. On va se prendre un. Nous casse dès le début non plus. Attention, ça va donner un très bon coup franc. On attend de pouvoir le tirer. Ah, il y a eu pas mal de cartons rouges. La dernière fois. Ah ouais? Bah, d'après ce que je vois. Non, pas là, mais. Dans les autres rencontres, d'après ce que je vois, c'est pas mal. Voilà les stats qui apparaissent sur vos écrans. Je vais tirer. Et attention de. De pas déjà mal tirer, il faut bien le mettre du côté de Metz s'ils veulent essayer de marquer. Attention, ça va être tiré. Ils vont prendre leur temps. Ça y est, c'est tiré. Enfin, c'est plus... c'était plus pour un pied droit, hein, mais c'est, ouais. C'est, ils ont préféré jouer avec le pied gauche. Ça n'ira pas au bout. Ça passe quand même bien dessus. Et ça donnera rien. Heureusement, pour des... le Havre, oui. Au niveau des titulaires, au niveau du Havre. Alors on a... tu veux le faire ? Oh, je vais faire, donc moi je vais commenter l'équipe de Metz. Donc on a Oukja en gardien, Udol plutôt, Kand, Traoré, Kouao, ouais. Sabali, Maziz, Balga, Danley, et attends je vois pas bien c'est qui, c'est Jalo. Et donc le meilleur buteur, donc c'est certainement la meilleure attaque derrière, donc, enfin, avec le meilleur buteur du côté de Metz, c'est Mikotadze qui a mis ouais. Je crois 14 buts et qui va peut-être essayer d'augmenter son score, alors qu'on a une faute sur Jamal Tiaré qui est à terre, le numéro 14. Et tu peux dire donc ta composition, et je rappelle moi c'est un 4 1 2 3 4 5 un 4 5 1 4-5, hein. Donc on peut dire aussi que c'est peut-être un 4-2-3. Bah, ce sera plutôt un 4-3-3 avec Casimir, Thierry, Cornet. En milieu, on a Richardson, Lecal et Keshta. Donc le milieu type est très fort du côté du Havre. Ensuite, on a en défense El Hadjam,
Opéry, Sangante et Kongolo, comme d'habitude, et Desmas. Donc franchement, l'attaque est incroyable, parce que des fois, bon, Barmoud il est là, des fois il est pas là, du coup on fait d'autres joueurs. Et là, Cornet il peut apporter beaucoup de choses, et j'espère qu'il arrivera à marquer un peu comme le triplé face à Nîmes, on espère. Et on notera la titularisation donc de Richardson, Casimir et Cornet, qui n'étaient pas la dernière fois titulaires. Donc je pense que c'est un bon choix, hein, du côté de Lucas Esner. Ouais. Pour l'instant, aucune occasion franche des deux côtés, même s'il y a eu un coup de pied arrêté pour Metz. Cette fois-ci, c'est encore pour le hack. On va voir ce qui va... ce qui va arriver. El Rajam qui avait dit donc de monter, et on passe avec Wao. Ah non, c'est Udol qui essaye de lancer sa balie. Senti. Il essayait de trouver Mikotadz. Ce sera sortie de but, ouais, ce sera pour Desmas. Le buteur Georges est rendu côté de Metz. 14 ouais. Buts en championnat, tout simplement le meilleur buteur. Il va peut-être avoir le soulier d'or hein, à la fin du championnat. Attention. Ah, Thierry qui était parti, mais non, ça va trop vite. C'était une petite montée pour le HAC. On décide de redescendre avec Sabali. Oh, magnifique. Sabali, oh, attention, il est trouvé, le numéro 14. Oh, il a glissé. Ça glisse beaucoup. Hein. Il y a El Rajam qui a glissé. Donc, je pense que le terrain est peut-être assez humide. Hein. On rappelle qu'on est à Metz. C'est quand même assez froid. Peut-être que le terrain, avec l'humidité, ça glisse un peu. Bolo glissé. On est effectivement en Lorraine. C'est là où on était. Sangante du côté gauche avec Kongolo. Oui, du côté de. Ah non, ce sera récupéré du côté de Metz. Côté droit. On va peut-être essayer de passer côté droit, effectivement, avec Wao. Oh, attention, c'est perdu, ce sera pour le HAC. Allez, Cornet, côté gauche, ça passe, ça se passe. Elle s'est bien récupérée par Metz qui va aller vers l'avant. Bonne fois. Et ils arrivent pas. Hein. Oh, attention, on arrive très rapidement avec Jalot. Jalot qui se rapproche de plus en plus des cages du Havre. C'est bien défendu par le HAC. Oh. Ça va être dégagé par Desmas. Je pense qu'il va prendre son temps. C'est bien joué, hein, le Brain. Et ils ont bien suivi. C'était Mikota Tadz. Il a failli récupérer ce ballon. Allez, on continue avec cette fois-ci la tête une nouvelle fois de Metz. On revient en arrière avec Traoré. On décide de passer à gauche avec Udol. Ça passe vite hein. Au niveau des passes, ça va très vite avec Sabali qui va essayer de trouver à droite Jalot. Allez, bien Yalo qui essaye de remettre sur Mikotadz. On décide de passer à droite. On joue pas mal sur le côté droit, du côté de Metz. Peut-être que ça va passer par là. Pour l'instant, Keshta du côté du Havre qui fait le rôle de MDC. Allez, Kandé. À droite, avec Traoré. Ouh, elle était bonne, hein, cette passe, mais ça ne trouvera pas sa balie. Et ça va être pour le HAC qui perd ce ballon. Oh, et ça sera une faute. Faute de Metz. Il y aura... Il y aura faute sur Richardson, simplement. Récupération sur... Bonne passe, Messine s'est bien récupéré, ça part avec peut-être Opéry, mais Opéry qui n'aura pas. Allez, c'est une nouvelle fois sifflé, ça va être encore pour cette fois-ci pour le HAC. Faute Messine encore. On va voir que ça va donner. Alors, on va passer côté droit. Avec non, ça va être récupéré par Metz. Mais c'est récupéré après l'occasion de la jam. On rappelle, hein, ça fait 13 matchs sans défaite depuis hein, le match aller face au Havre.
Ouais. La défaite qu'ils ont concédée. C'est passé ? Ouais. Allez. C'était à domicile du coup pour le Havre et là ils sont à l'extérieur. Il va falloir que les supporters et surtout le HAC soient ensemble, qui est joueur d'équipe, pour pouvoir avancer. C'est perdu par Metz. Oui, hein, si on tente. Allez, ça passe peut-être vers l'avant avec le HAC. Je le ok. Et on va voir avec Sangante. Je crois que c'est Cornette là. C'est ça aussi de. Congolo. Ça aussi de boire. Et attention, on décide de peut-être relancer ce ballon. Ça, on va avec le HAC une nouvelle fois. Et hop, faut se retirer encore une fois. Allez, cette troisième faute du côté de Metz. Il va falloir sortir les cartons au bout d'un moment. Je pense qu'il va y avoir un carton au bout d'un moment. Effectivement. Ah, car c'est une faute de. Pas vrai. Apparemment. Est-ce que c'est le même ou c'est. Ah non, il glisse. Ouais, d'accord. Il glisse, c'est sur celle-là. Ah, c'est pour montrer que le terrain est pas ouf. Ouais, le terrain est vraiment pas. Il est vraiment pas adéquat pour jouer. Ils glissent tous. Il y a peut-être de la terre aussi qui s'accumule sur les. Sur les chaussures. Et il y a Richardson qui va essayer de lancer peut-être. Oh. Le HAC. Oh, il s'est bien joué, mais il s'est récupéré. Peut-être. Ah, la jam, dommage. Encore une fois, sortie. Ah, pour là. Peut-être une occasion. Deux buts. Peut être joué. Avec Sangante. Congolo. Congolo, côté gauche. Avec. Peut-être, oui, voilà, Opéry. Avec Cornette. Cornette. Opéry, encore une fois. Congolo. Kanté, côté droit. Avec la jam. Et Shta qui était monté du côté du HAC, mais il n'y a pas eu l'appel qui a suivi, ça sera récupéré par Metz. Et il y a une faute. Faute du HAC, je crois qu'on va revenir sur la faute. Ah oui. Ça va. Ouais, c'est une faute sur Kanté. Ouais. Il a été fauté. Il parle un peu, mais s'il parle d'un carton, je pense que eux ils sont pas mieux. Ouais, c'est vrai que ça serait dur d'avoir un carton, surtout surtout qu'ils font trois fautes du côté de Metz. Ouais, donc là, c'est... ça serait pas mérité, ouais, d'avoir un carton. Salut, salut, bah sinon ça va. Salut, ça. Ça. Salut Diogo. Ah, carton jaune, oh, attention. Attention, c'est distribué. Carton jaune, alors qui, pour nous, qui sera le gagnant? Moi j'espère le Havre. On espère le Havre en tant que supporter, mais après on espère voir du beau jeu. Ouais. Peut-être un but Messine de Mikotadze. Déjà ça apporterait un peu de spectacle. Ah, peut-être là. Deux buts du côté du Havre. Après s'ils en prennent pas, ça serait bien aussi. Ouais. Et donc c'est carton jaune pour qui? Pour Sagonte, donc c'est pour le Havre. Ça fait mal ça par contre. Ouais, parce que depuis tout à l'heure en fait Metz fait trois fautes. Et ils en méritaient au moins un, mais c'est pas grave, Sagonte en prend un. Sagonte, le buteur hein, face à la dernière fois à domicile. C'est lui qui a permis à son équipe hein, de gagner ce match. Attention, c'est bien ouais. Dégagé. Ouais, faut remonter là, je pense. C'est récupéré par Metz. On va passer à gauche avec Sabali. On décide de redescendre sur son gardien, Akudja. Il faut récupérer le ballon. Akudja, parce que s'il récupère là, ouais. Il va essayer de trouver Joel. Péry et Congolo. Et Desmas qui va devoir envoyer loin. Mais. Il décide de jouer avec El Hadjam et la faute sur El Hadjam par contre. Attention. La faute sur El Hadjam. Attention de pas prendre un carton, hein. Sabali, ça fait la deuxième fois, je crois qu'il fait faute. Non, mais par contre, là il y a carton jaune. Il y a carton jaune clairement parce que. Il y a. Si. Il y a faute sur. Mikotad, d'accord. Mais là aussi il y a faute et carton jaune puisque déjà il met un sacré coup. Et voilà. Quand même.
Ouais, mais le terrain aussi est pas très approprié là. Oh, Casimir qui passe, peut-être le centre. Chasser. Allez, il passe en arrière, il est tout seul là-bas, il est tout seul. Richardson qui attention, il arrive dans sa phase d'opération. Oh non. Oh là là, c'est dommage du côté du HAC. Je sais pas si t'as vu, il y a un tirage de maillot hein, du côté de Metz. Ouais. Tirage de maillot par, je crois que c'est le numéro 14, c'est le Sabali hein, qui a tiré le maillot. Oh, attention, il y a eu contact. Ah ouais, mais... Et comme le terrain glisse, c'est plus facile hein, au niveau des contacts pour gêner un joueur. Ouais. Oh, bah, arrêtez. Ah, non, mais il touche. À carton jaune. Allez, vas-y. Carton jaune pour le Rajam. Il est gâché de facile hein, pour le Havre, mais apparemment pour Metz, compliqué. On va voir. Ouais, d'accord, il touche, mais c'est la même chose que tout à l'heure. Tu auras la faute sur El Hadjam. Donc clairement, faut arrêter là. Là, il est tout seul, il aurait pu la passer, je pense. Pour Keshta, il aurait pu la passer. Ouais, il aurait peut-être pas dû servir le cal. Essayer de la frapper direct, peut-être. Il a voulu faire le beau jeu. Je pense qu'il a voulu essayer de les tromper là. Mais il a pas réussi. Allez, c'est passé pour un Messou. Attention, le tacle. Oh, non, carton jaune. C'est pas vrai. Ah, il en a marre. Ah, le Messin qui frappe. Hop, par terre. On va savoir ce qui va se passer. Carton jaune. Oh là là, carton jaune encore une fois. Trois cartons jaunes en moins de 10 minutes. Trois cartons jaunes. Ça va vite hein, du côté de Metz. Ça les donne les cartons. Ouais. Ah oui, oui. Ouais. Oui, bon, lui là, oui, clairement, oui. Il a pas touché le ballon là. Ouais, Ok. Ouais, bah là, il commence à s'inquiéter. Elsner. Ouais, parce que là, son équipe se fait bousculer. Peut-être falloir changer de formation, hein. Pour permettre à son équipe peut-être d'être un peu plus défensif, peut faire entrer un autre défenseur. C'est peut-être à 5, ça s'est jamais fait du côté du Havre, mais... Peut-être en 4-2-3-1, hein, ce sera mieux. Ouais, parce que face à Metz, là, ça paraît compliqué, hein, sa formation. Et attention, il y a un nouveau coup franc, ça va être un coup franc long. Par les Messins. Ah, c'est tiré, et ça ne donnera rien. Ça sera un 5-5 pour le gardien d'Esmas, le gardien du HAC. Pour moi, il y avait au moins un carton jaune... pour un Messin. Il joue pas le ballon. Et Bah en fait, il y a eu au moins 3-4 fautes Messines qui ont pas eu de carton. Par contre, du côté du HAC, à chaque fois qu'on a fait faute, il y a eu carton. Faut pas trop les décisions de l'arbitre, mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. Après, ça va être au joueur de ne pas être trop agressif. Ou peut-être à Lucas Esner de changer. Et ça m'étonnerait qu'il change Segonte, qui est un très bon défenseur. Et lequel en plus c'est le capitaine. Mais je crois qu'ils l'ont changé la dernière fois. Donc, ouais. Possible qu'ils puissent le changer. Peut-être à la 45ème minute. Attention, il y a une montée de Casimir. Ah, oh là là, dommage. Il aurait dû monter, Thierry. Il aurait dû monter avec lui. Et du côté au niveau des passes réussies, on est à 86% pour le Havre. On était à 56% du côté du FC Metz. On rappelle, hein, la meilleure défense face au meilleur buteur de ce championnat, Biko Tadz, qui a donc 14 buts à son actif en Ligue 2. Ouais. Ah, ça va être récupéré, non? Ah. Pour le Havre. Côté gauche, oh, c'est bien joué. Kongolo. Avec Cornet. Oui, il vient garder ce ballon. Il faut pas perdre ce ballon, il faut jouer. Pas trop agressif non plus pour essayer de prendre des cartons. Richardson, et non. Mais... Ah, Richardson, et il a été trop loin aussi, Casimir. Ah, Casimir, bien joué. Ah, il voulait la faire faute. L'effort. Oh là là, mais c'est. Oh là là. Casimir voulait faire l'effort de récupérer ce ballon. Mais il fait faute, malheureusement. On va se prendre une douille. Ça, c'est sûr. On va se prendre une douille. Après, il va falloir qu'il temporise le jeu. Faut pas s'énerver. Non, non, voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Faut jouer court, faut jouer en 1-2. Ah, la récupération, et là, il y a pas carton. Et là, il n'y a pas carton. Ah, mais il n'y a pas faute. On continue avec Keshta. Parce qu'il y a avantage pour l'équipe du HAC. C'était pour Casimir. Dommage. Bien joué.
C'est pour le HAC, mais ça sera dans les gants de Oukja. C'est bien défendu, hein. Par le gardien. Allez, ça va être une nouvelle fois pour le HAC. On leur temps. Et Kongolo, Perry. Perry côté gauche et. Mais avec Kongolo, ça joue beaucoup défensif. Je pense qu'il va y avoir une occasion. Allez, c'est récupéré par Metz avec le numéro 22. Hein. Ah non, je me suis trompé. On va se prendre c'était, une Denley, on essaie de passer. Oh, la petite place pour Ajoujalo. On va se prendre une douille. Yeah, oh, c'est le but. Et c'est le but de. Directement l'ouverture de Mikotadze. Attends, je suis pas sûr que ce soit Mikotadze. Non, c'est Maziz. Maziz de. Le but, c'est pas le buteur, même pas le buteur, c'est un milieu qui a marqué face au Havre. Et ça fait donc 1-0 l'ouverture du score. Va falloir que le HSC revienne dans ce match. Non, on rappelle, hein, de toute façon, ils sont quand même sur une bonne remontée du côté de Metz. Les Messins qui sont donc à 47 points. Oh, ils arrivent deuxième! Les Messins arrivent deuxième s'ils gagnent ce match. Ça sera un très bon clutch de leur part, comme on dit dans le milieu du jeu vidéo. Et donc, s'ils arrivent à gagner tous leurs matchs, après, ils pourraient donc monter en Ligue 1. Ils ne mériteraient, franchement, dans ce match. De toute façon, ils sont déjà montés en Ligue 1. Après, c'est vrai qu'ils veulent un peu le jeu parce que on voyait que le Havre, pour l'instant, maintenait le match. Ils avaient plus d'avantages. Après, il y a eu beaucoup de fautes du Havre. Et je ne sais pas si c'était vraiment voulu. Aïe 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 aïe. On va voir s'ils vont réagir. Je pense qu'ils vont essayer de réagir. Ça va être compliqué quand même. Peut-être faire une égalité. Je pense que ça va être le plus simple parce que là on a une équipe Messine qui attaque beaucoup. Côté du Havre, le meilleur buteur c'est Alioui. Ils ont encore une occasion. Ils ont encore une occasion. Et ça passe une nouvelle fois toujours du côté droit, hein, du côté de Metz. Et cette fois-ci, ça va être une occasion pour le Havre. Haute Messine, mais pas de carton. Encore une fois. Après, le gardien est peut-être perdu en erreur avec porté par les supporters messins. Ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait quand même beaucoup. Hein. 3 cartons en 5-6 minutes, ça va quand même très vite. Ouais, c'est quand même beaucoup. Le HAC. Il va concéder tout, enfin qui va garder pour l'instant toujours ce ballon. Ouais. Ouais, donc ça va être compliqué, on va voir s'ils vont réagir. Avec maintenant Sanganté côté droit, ils vont peut-être passer milieu, Cal. Avec Kongolo, ils font beaucoup tourner, hein. Beaucoup de tourner. Ils ont vu Opéry, ils ont vu. C'est pas la première fois que le Havre prend un but en début de match comme ça. C'est souvent à la fin du match qu'ils arrivent à marquer, certainement avec leurs entrants, leurs bons remplaçants du côté du HAC. Et pour l'instant, on continue de garder cette balle, deux tirs du côté de. Et un tir cadré du côté de Metz, c'est 0 tir cadré, 0 tir du côté du HAC. Donc il va falloir être efficace dès qu'on tire du côté du HAC. Oh. Allez, c'est bien défendu par Metz qui récupère ce ballon. On va peut-être essayer de lancer, c'est bien récupéré, bien défendu. La tête peut-être de Keshta et ça passe peut-être. Avec Casimir. Et on voit à droite avec la jam, faut pas perdre le ballon. Pour l'instant, le Havre qui est revenu dans son match, qui domine. Et on le voit un peu s'éclaircir. Et c'est un peu plus propre. C'est moins fouillis que tout à l'heure. Là, ils allaient en contre-attaque tout le temps. Là, ils posent un peu le jeu, ils calment le jeu. Et ça, c'est important. Enfin, c'est une équipe Messine. Qui bouge très rapidement et qui profite des contre-attaques. Attention, une nouvelle occasion avec le HAC qui s'approche de plus en plus des cages Messine. Le Richardson côté droit avec la jam, le centre et c'est touché par. Il n'y a personne qui a suivi du côté du HAC, ça sera dans les gants de Oukja. Ouais.
On va revoir l'action. C'était donc un centre côté droit. Ça fait deux fois qu'il passe sur le côté droit. Et c'était ouais, le but directement. En runner de surface. De toute façon, il pouvait rien faire, hein, Desmas. Il était même pas. Il était devant lui, quoi. Y a personne qui a suivi, c'est ça le problème. Kotas, le géorgien qui se rapproche de plus en plus, hein, des cages du HAC. Et c'est perdu, ce sera touche. Ah, ils sont forts quand même, les LVS1 à chaque fois. Ah, il essaie de faire une petite passe. Et Tabali qui la perd. Perd ce ballon. Bonjour. Ah bah salut Romain. Salut. On a un ballon du côté droit. Il essaie d'y aller Thierry, mais je pense qu'il va falloir faire rentrer un autre buteur à la mi-temps. Et je pense. Idol qui va essayer de changer de côté. Avec Kuo qui va passer pour Yalo. Yalo qui va essayer de trouver de l'autre côté Sabali. Ah ouais, ça va. Le début de saison était nul. Ouais. Du côté de la Saint-Etienne. Ils ont perdu se réveiller et là ils commencent à reprendre un peu du poil de la bête. Ouais. D'ailleurs, il y aura un match face au Vert, les Havre à Saint-Etienne. Je crois que ça sera la semaine prochaine. Un match à suivre évidemment sur la chaîne. Attention, il y a eu une faute sur Corentin. En est vers le courant et on renvoie en arrière quand une fois. Pas si on va remarquer avec Kongolo côté gauche. Et Lucas Esner qui dit qu'il trouve pas assez les profondeurs du côté du HAC, il n'arrête pas de le dire à son équipe sportive. Il va falloir essayer de trouver les profondeurs avec El Rajam. Qui va essayer de trouver Casimir. En ce moment ils n'y arrivent pas, mais avec Casimir Ira qui a pas ici. Ah dommage. Ah il est tombé. Il dit qu'il y a faute. El Rajam. Il mérite un carton pour Metz. Ah ouais, il écrase le pied là. On voit pourquoi ça allait aussi vite de prendre 3 cartons. Bah, normalement il y a des avertissements et tout, mais là il n'y a pas d'avertissement, c'est carton. Surtout que c'était pas non plus une. Il y a une grosse faute évidente hein, de local, mais je sais pas, moi, pour Saganté par exemple, je trouvais pas que c'était pas nécessaire le carton. Ouais. Allez, Udol. Idol qui va essayer de trouver Mrs. Maziz. Décide de redescendre. Avec Udol. Vega. Ils arrivent bien. Ah, ils ont. Oh, allez. Kongolo qui a un carton jaune. Et ça fait mal pour le HAC. Ça fait 4. 4 cartons jaunes, toute la défense quasiment après un carton jaune et le milieu offensif et défensif également local également prend un jaune. Et bien ce match me paraît difficile. Alors il a touché le ballon en premier. Il va pas les prendre en carton rouge. Non, je comprends pas. La prochaine fois c'est le rouge peut-être. Ganté est venu parler. Et ouais. Lesner il en a marre hein, de voir que les cartons s'enchaînent alors que c'est vraiment pas mérité les cartons jaunes, pas trop non, mais bon. Il y a un coup franc pour Metz face à Desmas. Attention, qui sont les deux joueurs qui sont face à Desmas? C'est Maziz le buteur et il va décider de passer sur son côté droit avec Yalo Maziz. La frappe de Maziz est bien contrée par Keshta, mais ça va être récupéré une fois-ci par Metz, récupéré par le Havre. Bonne contre-attaque. Ah, ça part avec peut-être une passe pour Thierry, mais Thierry qui est hors-jeu. Cornet qui l'a vu qu'il était hors-jeu, mais ça sert à rien là, il est hors-jeu. On a vu.
Et Jamal Tiare qui est effectivement hors jeu. Malheureusement, décidément du Havre, on a pas beaucoup. Enfin, on n'a pas de chance pour l'instant. Ça va arriver, hein, ça va arriver. Il va falloir juste patienter un peu. 29e minute. Et on va gentiment dégager ce ballon. Ça va être un 6 mètres pour Ujja, le gardien de Metz. Allez, c'est dégagé. Et c'est trouvé de la tête. Tu as chassé, mais repris une nouvelle fois de la tête cette fois-ci. Mais sinon, ça échange le ballon. Et ça redonne le ballon. Est-ce que ça va être récupéré par Metz ou par le Havre? Pourquoi il rebalance le ballon comme ça? Ça sert à rien. Oh, attention, la petite aile de pigeon là pour essayer d'éliminer. Ah, c'était. T'as vu l'aile de pigeon? C'était Bikotadze. Ouais. Qui essayait d'éliminer Ongolo. Allez, le HAC qui a une bonne occasion cette fois-ci. Et non. Avec la montée de Keshta, mais ça trouvera le tête Messine. Et il l'envoie, ouais, c'est la touche qui va être jouée. Avec Opéry. Opéry, avec Keshta, j'espère, parce que sinon c'est compliqué. Non, ce sera pour Thierry. Avec personne, c'est trop compliqué. Voilà, c'est bien récupéré. Oui, il y a peut-être faute. Ils ont mal tous les deux. Ouais, je sais pas qui c'est qui a fait la faute. Attention, on va revoir l'action. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il lui frappe sur le pied. Il joue pas le ballon là. Et là, le gardien il l'a pas vu, mais là, ouais, c'est vrai que c'est. Non, il joue pas le ballon. Mais il va pas y avoir deux cartons. Allez. Et pourquoi il a mal? Je sais pas, peut-être le contact où il a frappé. Pour l'instant, Lucas Essener qui se demande quoi faire, certainement. Ouais, surtout le problème de. Face à une équipe Messine qui est quand même assez forte en attaque. Après, en défense, ça pêche un peu, j'ai l'impression. Mais ça sait bien redescendre. Ça sait casser les trajectoires. Et pour l'instant, ça fait mener 1-0 face au premier du championnat. Et ça fait monter, hein, je rappelle, Metz. Oh, attention, ça s'énerve là entre les deux là. Ouais. Ou genre mes 5 qui s'énerve. Ouais, c'est en train de s'énerver. Alors on va voir. Ah, c'est que là il essaye de le gêner, c'est ça? Ouais. Mais je vois pas en quoi. Bah, t'as le droit normalement. Ouais. T'as le droit. Mais attention, hein, ça va être une nouvelle fois une touche pour le HAC. On voit. Ah bah c'est pour. Le gardien, ah, ça voulait essayer de trouver. C'était pour Jamal Tiare, mais ça sera dans les gants de Ujja. Non, ils l'ont rendu gardien. Ah bon? Ouais, ouais, sont gentils. Le chassé qui renvoie ce ballon au gardien Ujja. Est-ce qu'il y avait faute ou un truc? Oh, magnifique. Keshta, Richardson. Richardson, le petit tacle là, il a été magnifique pour récupérer ce ballon, mais attention, hein. On connaît les qualités offensives. Et bah, vote. Il y a eu contact entre, je crois que c'est Cornette qui est redescendu. Ouais. Allez, on peut peut-être une montée du HAC. Mais tout le monde l'a vu, la passe qu'il fallait faire pour Keshta, il l'a pas fait. Ah. Ça fait trois fois qu'il siffle, il est énervé l'arbitre, il est énervé. Ouais. Ouais, avec énervé l'arbitre. Et la gâchette facile. Un chargeur de 30 cartons à la seconde qui peut sortir. Bon, le centre, mais il n'y a personne. Ah, c'est bien récupéré par Metz. Il dégage le ballon parce que je sais pas si t'as vu le pressing du HAC pour récupérer ce ballon, mais ça ne donnera rien. C'est quand même compliqué. Ça me paraît compliqué pour le Havre déjà de revenir dans ce match et après de marquer. Je pense qu'il est capable de faire une égalité. Et je pense que c'est ce que va chercher Lucas Essener. Une petite égalité pour éviter la première défaite. Hein, parce que ça sera la première défaite. Ça. Après, je crois, 24 journées sans défaite. Ouais. Donc je pense que Lucas Essener va peut-être faire rentrer quelques défenseurs. Également pour peut-être enlever les cartons jaunes. Et éviter un carton rouge à l'extérieur. Mais on s'en a vu que Marseille, avec un très bon...
bon entraîneur qui est donc Tudor, a fait quand même. Il n'a pas fait gagner son match, mais il a fait quand même 2-0. Ouais. Et donc il a eu une égalité avec deux buts de Aoulou. C'était hier. Attention, petite balle perdue. Ah, faute. Et faute Messine sur Saguenay. Hey, il n'y a pas carton. Alors on espère un but de Saguenay. C'est marrant, c'est que les attaquants du côté du HAC ne mettent pas de but, mais les défenseurs en mettent. Ouais. El Rajam, Saguenay. Mongolo, je sais pas s'il l'a encore mis. Peut-être une but de la tête. Je crois, ouais. Et côté gauche, c'est Opéry. Opéry, on a déjà eu un. Ou ah deux. Ouais, oh, je sais plus, ouais. Ils ont une bonne frappe, hein, des deux côtés avec El Rajam et Opéry. Et Akeshta qui est à terre. Oh, ouais. Oh ouais, d'accord, oh, ah bah oui. Il se fait emmener par Metz, par un joueur messin. Mais il n'y a pas de carton. Toujours pas de carton, mais par contre un très bon coup franc pour le HAC pour peut-être essayer d'ouvrir le score. On joue intelligemment avec Opéry qui va peut-être faire une bonne opération sur cette frappe. Super. Je sais pas si on a quelque chose. Ouh, c'est très haut par contre. Ouais, c'est très haut. Ouh, ça sera dans les gants de Oukja. Il va pas perdre le ballon non plus. Il manque rien pour Metz de se prendre un but. Bien arrêté, exactement. Le ballon pour Metz. Ah, il voulait essayer de trouver Sabali. Sabali n'était pas là. Et ça, le ballon tombera à l'eau. Allez, c'est récupéré peut-être par le HAC, repris par Metz. Et là, le Havre a très bien compris que s'il donnait le ballon, on s'était perdu. Donc ils vont essayer de le garder. Oh, la bonne passe, mais trop lointaine. Cornette qui est pas assez rapide pour récupérer ce ballon. Et ça sera une touche pour Kofi. Pas confondre avec Kofi Kingston, le joueur de la WWE. Attention, on essaye de passer avec Metz côté droit. Ça a pêché tout à l'heure côté droit et Keshta qui fait l'effort, obligé de tacler. Et un tacle très propre. Tacle de défenseur. Lui qui a des qualités plus offensives en tant que milieu. Eh bien, il va faire l'effort là-dessus. Allez, Yalou, qui essaye de passer vers l'avant, mais c'est récupéré par le HAC. Richardson qui essaie de récupérer de la tête. Il est grand, hein, Richardson. Le jeune Richardson du côté du Havre. Lucas Hissner, il commence à s'énerver un peu. Ouais. Et je pense que depuis tout à l'heure, il dit à ses joueurs de passer sur les côtés en profondeur. Mais il n'est pas écouté, hein, malheureusement, Lucas Hissner. Et Jamal Thierry qui n'est pas à son poste, hein, obligé de défendre. Oui. Pour l'instant, il subit hein, du côté du HAC. Il va falloir se réveiller surtout sur les ailes. C'est là qu'ils sont forts. Faire des centres. Peut-être faire rentrer Mahmoud pour faire un centre également. Je pense, ouais. Ça. Je pense que Casimir va devoir sortir. Ils font rentrer Mahmoud. Peut-être un petit peu plus facile. Et puis Cornet, il a une bonne frappe. Il va y arriver. Et puis on va remplacer Thierry parce qu'il sera trop fatigué à la mi-temps. Hein. Je pense de courir, descendre et tout. Ouais. Arrête de changer. Et on le rappelle, hein, les amis, nous sommes donc au stade Messin. Il commence à faire nuit, même s'il est 21h22. Donc, c'est quand même pas mal. Attention, une nouvelle occasion peut-être avec le HAC qui va aller peut-être chercher cette fois-ci le côté droit, comme fait Metz. Et avec Kongolo. Kongolo, il a vu la passe, bien joué. Non, ça va pas. Oh. Ouais, mais j'ai l'impression que comme la dernière fois ça a du mal à passer sur les côtés. Le problème c'est que c'est là où ils sont plus forts. Alors après essayer de passer dans la surface de réparation, ils n'ont pas de joueurs assez efficaces dans la zone de réparation, dans les petits espaces. Ah ouais. Je crois pas hein, qu'ils aient des bons joueurs du côté du HAC. Ah peut-être Joujou, Grand Cyr, Alioui. Ah Grand Cyr oui, pourrait. Et je crois que Targaryen la dernière fois il faisait son entrée. Il était bon Targaryen. Ouais. Et Joujou aussi, en plus il a mis son premier but. Ouais. Je pense qu'il a envie de montrer à Lucas Hissner qu'il pourrait peut-être être titulaire. Et du côté Oh non. Oh
Oh oui, non. Et du côté de Metz, rien n'a changé. Hein. Très bonne défense. Avec Ouja déjà qui fait pas mal d'arrêts. Il était bien sur ses appuis. Il est sorti là où il fallait. Udol Kandé, je trouve qu'ils sont pas mal aussi en défense. C'est trop vrai. Waouh, qui font un très bon travail pour l'instant. Ça pêche un peu au niveau du côté gauche avec Sabali et Dunley. Où on a du mal à se trouver, on a du mal à trouver de la place. Mais c'est ça qui est fort aussi du côté du HAC. Qui viennent bien défendre. Et attention, on a un joueur messin qui est à terre. Je sais pas si c'est Opéry qui vient faire la faute ou si. Ou s'il est tombé. L'arbitre qui demande s'il y a eu un choc ou pas. Allez. Un qui. Ah, Maziz, le buteur, qui est en train de. De rafraîchir la gorge. Il est tombé tout seul, il est mal retombé. Ah ouais, c'est Yalo. Oh. Ouais, il est mal retombé. Ah ouais, il fait une sorte de ciseau et il peut pas bouger sa jambe. Ouais. C'est un peu bête ça. Ça va aller, il va pouvoir revenir. Il va pouvoir revenir en jeu. Doré s'est un peu énervé d'ailleurs en conférence de presse, il a dit que l'arbitre était mauvais. Tu dors ? Ouais. Ouais, j'ai vu. Il a dit qu'il était mauvais parce que. Il sait pas faire la différence entre pousser et toucher. Bon. Ouais. Pour lui, il a touché le joueur. Enfin, Balerdi, il a touché l'attaquant, mais il a pas poussé. Ah oui, le carton rouge. Ouais. C'est vrai que ça a été assez sévère, mais on notera quand même la bonne efficacité du côté de Strasbourg de revenir quand même à 2-2. Ah, faut le faire en plus. Attention, on a une bonne ouverture avec Keshta qui va accélérer. Ah, ouh, attention, il a trop poussé ce ballon et ce sera repris par Metz. Surtout en moins de 5 minutes, un truc comme ça. Moins de 5 minutes. Hein. Ils ont marqué deux. Ouais, mais ouais, il dit. Klaus, il dit que c'est un changement de formation. Ouais. Moi, je trouve que c'est plutôt quand Alexis Sanchez il est sorti que. Pas ce qui est tombé. Quand Alexis Sanchez il est sorti que c'était que c'est, ils ont perdu leur truc. Ouais, ah, je crois que c'est une bouteille. Du coup tu me paieras ce que t'as cassé. J'aurais cassé. Ce que t'as cassé. C'est tombé tout seul. Allez, ça passe peut-être à pour Casimir. Ouh, Casimir qui a essayé de récupérer ce ballon dans la surface de Metz. Ça n'ira pas au bout. Et ça donnera un corner, cette fois-ci, pour le HAC. C'est Sagonté qui a mis, je crois, deux fois un but sur corner. Ouais. Donc, ils sont très efficaces. Attention pour les Messins. J'espère un but juste avant la mi-temps. Ou Jack qui va devoir défendre ses cages. Cornette pour tirer ce corner. Il va rester encore 3 minutes. 3 minutes de temps de jeu. Toujours pas de temps additionnel. Il y a eu 2-3 arrêts, je pense. 2 à 3 minutes. Grand maximum de temps additionnel. Et ça va être tiré par Cornette. L'occasion dégagée directement. C'est dommage. Et c'est Casimir qui va faire l'effort pour récupérer ce ballon. Cornette qui va passer en arrière. Et c'est toujours pour le HAC. Côté de Desmas. Avec le côté gauche. Bon, hein, du côté de Kongolo. Santé. Côté gauche. On approche de la 44ème minute. Peut-être une occasion. J'espère. Il reste plus qu'une minute. Une minute avant la mi-temps. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Alors, enfin, je sais pas s'il y aura un but, mais. Tout à l'heure, une grosse domination du HAC. Et Metz qui avait du mal. Mais ils ont quand même réussi à trouver une petite brèche côté droit. Après, c'est sur une récupération. En fait, il y a eu une mauvaise passe. Ils ont récupéré, puis ils ont marqué. Hein. Ouais, mais ils ont quand même réussi à passer face à Cornet, Keshta et Opéry. Ouais. Donc, c'est très bien joué de la part des médecins. Attention, c'était centré, mais trop centré sur le gardien.
Bien tenté la passe, mais bien arrêté. Il n'y a pas assez d'attaquants en fait. Il y a, ah oui. Y a que Keshta qui monte. Pas normal. Ça va être dégagé par Metz. On décide de passer vers l'arrière et c'est récupéré par le HAC une nouvelle fois. En fait, il se n'arrive pas à monter, à être présent en attaque. On a du mal. C'est assez. Opéry qui y va. Il va. Il faut qu'il passe plus sur les ailes et jouer un peu plus doucement du côté du HAC. Et voilà, on perd des ballons bêtement. Ou attention, il y a. Ah, il y a une faute. Ouais, faute de Perry. De Bali. Sur ça, Bali, effectivement. Le Kessner qui est énervé, à mon avis, ça va s'énerver dans les vestiaires. Ah, je pense, ouais. Je vais essayer de bouger les joueurs. Ah, 2 minutes de traditionnel. 2 minutes. La causerie va devoir être efficace du côté du HAC pour revenir. C'est la première fois qu'on le voit comme ça, Lucas Ner. Ouais. Forcément, là. Ah, le problème, c'est 4 cartons jaunes, quoi. Il va devoir faire avec. Regardez ce qu'il peut changer. Après, ils arrivent quand même à mener le match sans prendre de carton. Donc. Ouais. Après, le truc, c'est que ce qu'il pourrait faire, c'est un 4-2-3-1 et puis il fait rentrer Grand-Cyr et il enlève le cadre. Ah voilà, comme je le disais, il va y avoir que 2 minutes de temps additionnel. Ça sera pas beaucoup, je pense qu'il n'y aura pas d'occasion des deux côtés. On va aller tout droit, je pense, vers une mi-temps assez tranquille. Et une fois revenu des vestiaires, j'espère que ça va bouger, hein, des deux côtés. Congolo, Richardson, avec le côté droit, Richardson encore. Peut-être pour Sanganté. Avec peut-être Opéry qui part tout seul. Opéry, la tête. Oui, c'est bien joué, Cornette. Ah, avec Opéry, peut-être le centre. Et c'est trop loin. Opéry qui arrive. Ah, c'est bien joué quand même. Avec la récupération de El Hadjam. El Hadjam à côté droit. Peut-être le centre. Allez, la passe peut-être. Oui, c'est bien joué. Il faut centrer. Et ce sera. La touche. Ça sera une touche. Ah ben la retouche du coup, Casimir, ça sera une touche Messine. Il va rester 50 secondes à peu près avant la mi-temps. On aura une occasion. Le problème c'est que les centres ne sont pas vraiment. Ouais, c'est pas efficace. Ouais, c'est pas. Je ferais moi du côté du Kastner, il faut peut-être rentrer un joueur. C'est très bien passé dans les petits espaces. Il est à l'aise dans cette configuration là. Et donc peut-être enlever Jamal Thiaré et changer de joueur pour avoir un joueur un peu plus offensif. Et c'est qui déjà le deuxième buteur? Après pour remplacer Thiaré? Je sais plus. Ah, de toute façon ça va être la mi-temps. Je sais plus si c'est Joujou ou... Non, c'est pas Joujou. Et c'est sifflé. Mi-temps. Petite mi-temps. Je prends 5 minutes juste pour remercier ceux qui likeront. Ça va faire beaucoup de visibilité pour la chaîne et on vous en remercie. Petite mi-temps, le temps que vous preniez un petit café ou un petit chocolat pour la mi-temps. Et on revient tout de suite. Allez, à tout de suite. A tout de suite.
Allez, les joueurs font leur retour sur, sur le stade. Et pour l'instant, Metz qui mène 1-0 à domicile face aux Havrais. Et les Havrais qui sont pas beaucoup. Les Havrais qui sont pas beaucoup dans ce match. Ah, je vois un drapeau géorgien, c'est certainement pour Mikotadze, le meilleur buteur du championnat avec 14 buts. Et c'est pas lui qui l'a marqué, c'est son ami Maziz. Et du côté du HAC, quel était ton match? Ah, il n'y a pas eu grand chose, hein. Il n'y a pas eu de cases, pas eu d'offense. Il n'y a rien eu. On a juste subi. Il y a eu 4 cartons jaunes, pas mérités et tout, donc. Et oui, effectivement, le Havre qui avait par contre. Je peux pas te. Voilà. Le Havre qui a eu plus de possessions. Ça a été très clair. Ils ont subi beaucoup de fautes, hein, au début de la part de Metz. Et je pense qu'ils méritaient au moins un, voire deux cartons jaunes des Messins. Mais on en est loin. C'est plutôt le HAC hein, qui a subi avec 4 cartons jaunes, ça tu l'as pas dit. C'est Victor Lecal, si, Sakonte Kongolo et El Rajam qui si, ont eu. Si, j'ai dit qu'il y a eu 4 cartons jaunes. Et El Rajam qui a eu un carton jaune. Ouais, attention, peut-être le réveil de la force du côté du HAC. Allez, allez, c'est ton équipe. Allez, Richardson qui arrive à passer. La frappe est ouverte. Richardson, pied gauche, qui vient la frapper en force. Et ça passe. Lucas Esner qui a été efficace dans les vestiaires. Et oui, encore une fois. Ça fait 1-1. Au stade de Metz. Incroyable! La frappe! Donc il est sur le côté droit, il repique et il frappe en faisant croire qu'il va centrer. Et tout le monde se lève et est heureux, c'est normal. En plus, c'est Richardson. Hein. Et en plus, ils ont réussi à tromper Ouja. Et Lesnar, il est pas content. Ah. J'ai l'impression qu'il espère un peu plus hein, de ses joueurs. Et peut-être. Mettre un deuxième but et pour l'instant c'est le réveil de la force du côté du HAC. Richardson qui vient faire l'effort. Le dribble. La petite pépite du HAC. Le dribble, la frappe. Incroyable. Oh, ah, il peut rien faire, Oukja. Oh là là. Enroulé et puis sur la barre. Oh, attention, oh, il y avait une contre-attaque. Oh, ça a failli faire un but avec Maziz. Heureusement c'est à côté. Oh, attention, quel match! Le match se réveille, hein, j'ai l'impression. Le match se réveille, attention, on a déjà plein de cartons jaunes du côté du HAC, certainement des remplacements qui vont peut-être être opérés dans les 10-15 prochaines minutes. On va voir ce qui va se passer. Desmas qui va calmer le jeu et ralentir. Ah, salut Teddy. Salut. Ils viennent juste d'égaliser alors qu'ils étaient menés. Magnifique but de Richardson. Parce que tu peux pas le voir parce que tu peux pas aller à Metz. Enfin, Metz plutôt. Donc, ravi de commenter le match. Et une nouvelle fois une occasion pour la chasser, mais ce sera perdu. Je pense que Thierry, il faut le changer. Il est fatigué. Il a fait tout pour défendre tout à l'heure et. En fait, pour. Bon, on va dire les deux, mais de toute façon, il y en a eu un pour Metz. Metz, c'est quoi déjà? Metz, c'est un. Ah oui, c'est une vrai. Passe à droite. Ça passait souvent à droite. Il y a un problème. Enfin, il y avait un problème du côté droit, du côté du HAC. Enfin, plutôt pour résumer. Au début, il y a eu beaucoup de fautes du côté de Metz, mais zéro carton jaune. Et par contre, dès qu'il y a eu une faute, en 5 minutes, ils ont pris un carton jaune. Donc Kongolo, Lecal, Sagante et El Rajam ont pris un carton jaune du côté du HAC. Du coup, ils ont essayé de se calmer et de redescendre le bloc. Ça a servi du coup à Metz de passer à droite avec Kouaou et Yalo, qui a réussi à passer à droite. Passe de Yalo à Maziz. Maziz qui était donc en runner de surface. Devant Desmas. Desmas ne pouvait rien faire, il était quasiment devant Desmas. Ouais. Et il met ce but qui est pas magnifique, mais c'est un but. Et du côté du Havre, je te laisse le décrypter, ce qui était quand même très très beau. Donc on est sur pareil le côté droit en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt facile de passer. Et en fait, c'est
Oh, une passe de. Je crois que c'est Kejta. Kejta, ouais, qui arrive à passer le ballon. Et bon, on notera quand même le travail qu'il fait tout seul, Richardson. Ouais. Kejta qui passe sur la droite. Ouais, du coup, il fait la passe. Richardson qui récupère. Ensuite, il fait un dribble vraiment comme de Robben, en fait. Ryan Robben. C'est ça. Comment il s'appelait déjà? Ryan Robben ou... Ariane Romain, voilà. Ariane Romain, et en fait, il dribble, donc il lève le ballon, ensuite il continue à pousser le ballon, et là, il fait une frappe incroyable en le roulant. Et c'est, en plus, je sais pas si c'est sur son beau pied, parce que il a frappé pied gauche, enroulé, et c'était très fort. Hein. Et attention, une nouvelle occasion une avec fois, peut-être la frappe ouais dans les gants de Dougja, et c'est le deuxième tir cadré du côté du HAC. Oh, dommage, Kejta, l'arrêt. Dommage. Ah, j'espère aussi. Ouais, parce que c'est quand même les deux grosses équipes hein, qui vont devoir subir Saint-Etienne et Metz. C'est les deux qui ont l'état de forme la plus. La mieux, hein, parce qu'il y a quand même plein de victoires du côté de Saint-Etienne et plein de victoires du côté de Metz. On rappelle, hein, le meilleur buteur du côté de Metz, c'est Mikotaz qui a marqué. Je veux dire qu'il a marqué, qui est meilleur buteur du côté de Metz, avec 14 buts inscrits pour lui. Ouais. Pour les 11 points d'avance, c'est vrai que ça serait joli. Mais à noter également que si Metz, je vais y arriver, gagne, et ben il serait deuxième juste derrière le HAC. Donc course à la montée hein, dans ce match. En fait, faut que chacun de son côté gagne quoi. Mais on espère évidemment que ça soit. Soit le Havre, allez, peut-être côté gauche avec Opéry. On va retourner en défense. Encore une fois pour Opéry. Congolo. Avec. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça, effectivement. Encore une fois, Cornette. Ah non. Attention, c'est bien récupéré par Metz. On décide de passer côté gauche. Repris une nouvelle fois dans le centre. Ouais. Bien récupéré par le HAC. Ce côté droit, je crois que c'est Kejta avec Casimir. Casimir, il arrive à passer, magnifique. Le centre, allez, la récupération, oui, magnifique, dommage. Oh là là. Ah, c'est touché, il faut frapper. Cornette encore, ça peut y passer. Ah, c'est pas dedans. Oh, la frappe pied droit, il l'a enroulé, je crois. Oh, il a fait une frappe magnifique. A été superbe cette frappe. Encore une fois, Cornette. Et Kessner, il fait un très bon travail pour le Havre. C'est lui hein, qui fait apporter le but, certainement. Il a peut-être dit à Richardson d'aller en profondeur. C'est ce qu'il voulait depuis le début, mais apparemment, il n'a pas été écouté. On l'entendait hein, sur le bord du terrain. Il disait passer en profondeur et crier. Mais je pense que tellement les supporters crient qu'ils n'entendaient pas. Et là, ils sont passés en profondeur. Et tu noteras que c'est comme ça qu'ils ont mis le but. Ah. Effectivement, à l'MS, on y croit. Et on y croit, pardon. On va voir si. En l'été. Effectivement, Metz, depuis tout à l'heure, qui. Non, il menait 1-0 pendant les 45 premières minutes. Ouais. Et pour l'instant, le HAC qui s'est réveillé avec pour l'instant aucun changement. Du côté du HAC, je rappelle, hein, 4 cartons jaunes. On va voir. 3-1, tu dis? Ah, bah attention, hein, parce qu'il y a une occasion pour Metz qui se rapproche de la surface du HAC. Ouais. C'est bien défendu. Oui, bien entendu, 3-1 pour le Havre. Bah, c'est vrai que 11 buts, ça nous mettrait très bien. Et en plus, à la différence de Saint-Etienne, le Havre sera à domicile. Donc ils auront cet avantage-là. Et si ils arrivent à gagner, ou même un nul face à Metz, ça serait bien. Moi je dirais 3-2. Si ça va jusqu'à là. Moi ce qui m'inquiète c'est surtout les. Ouah, la faute là. Il y a carton jaune limite, mais. Cornette qui crie. Il n'y aura pas de carton. Encore une fois. Cornette en plus c'est pas un joueur qui fait semblant. Hein. Il est costaud. Ouais. Faut le faire tomber. Faut le faire tomber. Moi ce qui me fait peur du côté du HAC c'est la ribambelle quand même de carton jaune. Bah, je pense que ça arrange tout le monde le nul. Ouais, je pense aussi. Ça arrangerait tout le monde.
Ah, la récupération, après, il suffit pas sorti, oui. Une défaite de Sochaux, une défaite de Bordeaux. Mais Metz monte deuxième. Et monte en Ligue 1. Donc ça serait un superbe clutch, hein, comme dans la vidéo. Ils vont... Je pense que le truc, c'est que... Ils vont devoir jouer... Genre, comment dire. De toute façon, il a faux. Hein. Parce que ils étaient pas mal en milieu de tableau là ces dernières années, le HAC. Sauf une fois, ils ont failli monter, mais malheureusement, ils ont... Ça s'est joué à un but. Un but, effectivement. Et il y avait aussi, face à Ajaccio, ils ont failli monter. Ouais. Ils méritent, hein, force de chercher. Oh, le centre, là. Attention, c'était bien arrêté par... Ouja, et quel gardien. Quel gardien, on le note pas assez, mais ils ont un très bon gardien du côté de Metz. Ah, c'est pour ça, là. Ils sont très très bons. Très très bons, en général. Le gardien, il est... Ouais. Ah, c'est un Algérien, d'accord. Le gardien algérien fait un très bon taf, hein, du côté de... Du côté de... De Metz. Oh, la tête, dommage, Casimir qui aurait pu récupérer la tête. Le cal. C'est pour ça qu'ils ont un grand une grande équipe, hein, avec un très bon gardien et un très bon buteur. Ouais. Et après, ils ont pas la meilleure défense, hein, avec... Je crois que c'est 11 buts encaissés, il me semble, non? Vrai, je pense. Sinon, ce serait eux la meilleure défense. Non, mais la meilleure défense, c'est le Havre, je crois, avec 11 buts encaissés. Non, 12. Ah bah oui, parce qu'il compte celui-ci. Ouais, donc 12 et 25 du côté de Metz. Donc on sera toujours la meilleure défense. Allez. Ouais, je regarde. Sochaux-Bordeaux, égalité. Ouais, donc ça nous fait très bien une petite égalité avec Metz. Et après, il y aura Saint-Etienne qui a fait égalité face à Amiens. Il est revenu pas mal dans le championnat. Saint-Etienne me fait penser un peu à l'équipe de Montpellier en Ligue 1. Ouais, ça se fait le même truc. Après, ils se prennent moins de cartons rouges que Montpellier, quoi. Ouais. Ouais, enfin, c'est un peu le même profil, je trouve, de club. Ah, y a une tête, hein, ça glisse beaucoup trop haut, mais Kishtak arrive à récupérer, il y a faute. Il y a une grosse faute, mais... Et l'arbitre, il dit non. D'accord, ok. L'arbitre ne dit non, ça joue. Allez, avec Metz qui va essayer de lancer, récupéré par le Havre. Ah oui, ça y va. Jefferson, le Carl, avec Perry, Cornette, qui arrive à passer magnifiquement. Oh, dommage. Et ça va, je pense que ça a réveillé, hein, du côté du HAC. Et je pense que s'il y a un changement, il suffit d'un changement, et je pense que là, ils mettent le but. Ça manque de rapidité, il y a Kesha Casimir là, mais par contre c'est celui qu'on voit le moins, c'est Jabal Thiaré. Ouais. Moi c'est le joueur à changer, hein, parce qu'il est dans ce dispositif là, face aux qualités des Messins, il faut un joueur plus rapide. Bah, enfin, je pourrais être critique, mais il n'est pas très rapide, Jabal Thiaré. Très fort, hein, au niveau de la frappe. Oh, le centre, la tête, ça va être compliqué, la reprise. Ouais, il va falloir peut-être un petit joujou. Et qui est rapide ouais, voilà. Grand Cyr, je le vois pas. Ah, c'est Alioui, ouais. Alioui, il est pas mal. Alioui ou Joujou, moi je vois rentrer. Ou Targaline. Connais, c'est pas l'ancien. Il y a Kinkwe là. Ah, je sais pas du tout qui c'est. Non, c'est un jeune, lui. Ouais. 21 ans. Ouais. Pas si jeune que ça, hein, 2002. Bah, Alioui, il est bon. Mais Connais, il me dit quelque chose. Kone, 21 ans. Ah, oui. Ah, c'est un gardien de but. Ah, d'accord. C'est un gardien de but, Kone, si jamais il y a un problème. Mais attention, une nouvelle faute, cette fois-ci sur El Rajam. C'est la faute de Sabali. Sabali, c'est pas la première fois qu'il fait une faute. Ouais. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de carton. Il pourrait y avoir un carton, mais voilà. Ça commence à énerver Casimir. Ouais, ouais. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de carton. Ça va, il le prend avec le sourire quand même. El Rajam, ça fait. C'est Sabali et El Rajam, hein, depuis tout à l'heure, le duel. Ouais. Hein. Et El Rajam qui est à terre depuis tout à l'heure. Là. Il est obligé de sortir. Ah là là, non. Et ça siffle, hein, ça siffle du côté de Metz. La dernière fois, ils se sont pris un but comme ça. Je pense qu'ils se disent, ah, ils vont peut-être essayer de perdre du temps du côté du HAC. Surtout que ça fait un défenseur en moins et du coup il y a les milieux descendent pour défendre. Alors qu'il rentre au plus vite, je pense qu'il peut rentrer là. Mais bon, il va prendre son temps quand même.
Il dit, ça y est, il peut revenir. Il revient. Il y a un des arbitres qui a dit démonte-les. Bon, je sais pas si si c'est un défenseur ou un buteur à qui il disait ça. Et ça serait une sortie de but. Accompagné par par Opéry. Oh, c'était bien joué quand même. Oui, il a pas fait exprès. Ah, il a pas fait exprès. Ah, il sait même pas où est le ballon. Ouais. Mauvais passe. Mauvais passeur hein, quand même. C'est peut-être là où il pêche, hein, Mikotadz, le joueur ouais. Géorgien au niveau de la passe. Ça va être récupéré, attention à la faute. Il y a pas faute, il y a pas faute, on continue de jouer avec Cornette. Cornette, côté gauche, il arrive à passer. Ouais. Le problème c'est que ouais, il n'y a pas assez de disponibilité, Richardson qui est bien tout seul du côté droit. Avec peut-être une passe et ce sera récupéré. Et ça sera et une touche. Ouais. Attends, c'est pour le Havre, ouais, ça sera une touche pour le Havre. Il y a un joueur qui est à terre et c'est Maziz, le buteur. Maziz, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est pris un coup, ouais. Touché au torse, au pectoral. Ah. Ah, ça doit être. Ah, le bras. Non, la friction. Ouais. Au moins, il s'est relevé, ça va. On a. On a des ballons. Chacun met son slogan. Oh, le sort magnifique, hein! Oh, attention, il y a une occasion hein, pour le HAC. Attends, il faudra revoir l'occasion parce que je sais pas ce qui s'est passé. Ça a touché un joueur. Bah, il y a eu une tête. Même le gardien, il a pas compris ce qui s'est passé. Il y a le ballon qui est arrivé sur eux. C'est monté directement en l'air. Attends, on revoit l'occasion. Perry qui frappe la tête. Ah ouais, ça touche les deux joueurs et ça fait monter la balle tout droit. Ça revient en arrière. Attention, peut-être une nouvelle occasion avec Victor Lecal qui décide d'aller en arrière cette fois-ci. Ah, il faut, mais non, non, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu de Kejta, j'ai cru un moment qu'il y avait main de Kejta, mais heureusement. Heureusement pour le HAC, il y a pas main, il y a juste l'épaule qui vient toucher. Et il vient donc resserrer ses mains pour éviter la main. Taz qui a envie de se bouger, mais le problème c'est que là c'est bien défendu par le Havre. Ah, ils sont bien montés bloc assez haut hein, du côté du HAC, on passe en profondeur et cette fois-ci c'est passé, la bonne passe Mikotadz, ça balie, il a frappé, c'est directement dans les grandes Desmas. Et c'est bien tiré mais ça sera arrêté par Desmas. Mais c'est encore du même côté, hein. Décidément le Havre qui a du mal du côté droit à défendre. Ça balie là, il fait ce qu'il veut hein, de son côté. Parce que un peu facile hein, de passer. Elle passe. Le cas là, il envoie très très loin, mais ça va être compliqué quand même. C'est Jamal Thierry qui va essayer de la chercher. Ah, tirer, il peut, mais. Ah, c'est ce qu'il aime bien faire, hein. Jamal Thierry, c'est de récupérer les balles en haut. Donc bon. Il va souvent presser le gardien. Ah, le centre qui va être fait, mais pas assez long. Et Richardson qui va attendre le ballon. Et ce sera pas assez pour récupérer. Ah, il avait réussi à garder ce ballon, le Messin, mais ça sera perdu et récupéré par le Havre. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont une puissance au niveau du HAC. C'est à la fin qui marque toujours un but. Et souvent du côté... La Casimir, vas-y, dommage. C'est souvent sur les ailes hein, du côté du HAC qui sont forts. Ah, t'as l'air encore, hein, c'est pour l'aile droit. Mais comme je dis souvent, c'est les entrants, les remplaçants là, qui font beaucoup, hein, qui apportent beaucoup de choses. Pour l'instant, il n'y a aucun changement de fait. Ouais, mais j'attends hein, les changements pour savoir qui va rentrer. Du côté de Metz, on a deux joueurs qui s'entraînent pour l'instant. En train de courir, Kejta qui arrive encore pas. Qui, hein. Et ça s'entraîne pas du côté du HAC, ça fait peur. Ouais. Il va falloir peut-être remplacer 2-3 joueurs qui ont des cartons. Faudra essayer de marquer hein, parce que non, ça va être compliqué. Ou même, pour les deux équipes, marquer, faire des changements. Pour l'instant, aucun changement des deux côtés. On verra et pour l'instant, c'est ce match qu'il va pouvoir récupérer avec Sanganté.
Kanté avec Kongolo. Et attention, hein, deux entrées du côté de, du Havre. Ah. Targalid qui va faire son entrée. Mmh. Et Grand Cyr. Remplacement de Cornette, certainement. Oui. Et de Keshta. Oh, la passe, mais il s'est complètement ramassé par terre. Ça va être deux changements offensifs. Ouais, ça va pas être du poste pour poste, mais ça va quand même essayer d'améliorer cette qualité du HAC en attaque. Peut-être améliorer de la rapidité, comme je vous disais tout à l'heure, et de l'efficacité devant le but. Même si Cornette est très efficace. C'est pas les joueurs que j'aurais remplacés, moi, pour ma part. Cornette et Lecal qui font quand même un très bon match. Mais je pense qu'il a peut-être autre chose dans la tête. Une case, non, pas de case spéciale, mais ça fait tourner du côté de Metz. Allez, c'est dégagé par Ouja. On essaye de passer à gauche avec Udol. Ça essaye de trouver sa balie, mais une fois de plus, il ne sera pas trouvé. On essaye de passer à droite avec Kouao. Cette fois-ci, c'est pour Traoré, ouais, hein. C'est lui qui l'a actuellement. Allez, ça passe à droite avec Maziz. Non, bien récupéré par Opéry qui va couper cette trajectoire et récupérer ce ballon. On va monter Cornette avec la passe pour Richardson, mais il n'a pas suivi Richardson. C'est ça le problème. Et ça va donner de bonnes contre-attaques et ça réveille le stade de Messin. Attention, ça va passer à droite avec Mikotas. Mikotas qui se rapproche de plus en plus, peut-être la frappe. Il va armer son pied, ce sera bien arrêté par Desmas. Aïe, 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 dommage. Et on voit l'action. Hein. Mikotas qui est bien sur son côté droit, il revient vers l'intérieur frappé. Alors qu'il y avait peut-être une petite passe à faire pour... Je crois que c'était Sabali là qui était à gauche. Et peut-être une petite passe à faire du côté de Metz. Attention, peut-être une nouvelle occasion du côté du HAC. Faut la travailler celle-ci. Non, ils avaient bien fait les choses. Hein. Ils avaient cadré. Et les Messins qui n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à la mettre dedans. Maintenant. Oui, du côté de Kongolo, Eiko Perry, ah, il a vu, mais il va repasser en arrière. Il va falloir attendre la 70e, je pense, avant de voir un changement côté du Havre. Avec... Je pense que ça va pas trop tarder non plus, parce qu'ils sont. On les voit là. Ouais. Je sais pas du côté de Metz, on n'a pas vu encore de changement apparemment. Peut-être qu'ils en ont pas besoin. Tenté. T'es droit encore une fois, il est parti tout seul, Casimir. Casimir, vas-y. Oh, le tacle assassin. Y'a pas faute. Ok, y'a pas faute. Attends, il touche peut-être le ballon. Ouais, ah oui, il touche le ballon d'abord. Et bah, il est magnifique du coup le tacle. Ouf. Bah, sûr que là, quand on l'a vu de loin. Ouais, on aurait dit qu'il touchait pas le ballon, mais il touche bien le ballon. Ah, il sort, Casimir. Ah, c'est la sortie de Casimir alors que c'était normalement. Ah d'accord, donc du coup il a changé. Ce sera Casimir qui va sortir et l'entrée de Targalin. Et donc Grand Cyr, je pense, va entrer. On va voir. Voilà, ça y est. Et le deuxième joueur, donc Targalin, l'ancien joueur de l'OM. Et Sabali va faire donc sa sortie. Ok. Et qui va rentrer, je crois que c'est... je vérifie. Skouka. Et ouais, c'est Skouka qui va rentrer. L'Albanais. Il va peut-être apporter quelque chose. Ça passe dans la défense. Dommage. Mais du coup, il devait y avoir des changements à vrai, je pense, non hein. Ah, et ça, c'est cool. Du côté de Metz, peut-être une faute. Ah, c'est. C'est Kandé. Des fautes sur Kandé, je crois que c'est Richardson non, qui a fait la faute. Peut-être. Parce qu'il vient s'excuser. Très propre. Ah, Grand Cyr, il est là. Samuel Grand Cyr, effectivement, qui est ici. Qui remplace Keshta, donc. Milieu de terrain. Donc il y a combien d'entrants? Deux. Ouais. Ok. Il reste un ou deux. Ouais. Deux changements, normalement. Et pareil, enfin un peu plus du côté de Metz.
On a fait qu'un seul entrant. Allez, on va peut-être passer côté gauche, là où on a fait rentrer Spuka. Et il est trouvé. Attention, peut-être. Peut-être le centre. Ah, dommage. Ils sont portés par le public. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à aller. Non, il n'y a pas Alioui. Non, il n'y a pas encore Alioui. Il l'a pas fait rentrer. Je sais même pas s'il va le faire rentrer, honnêtement. Je pense qu'il va le faire rentrer s'il doit changer Thierry, mais s'il change pas Thierry, il va faire rentrer peut-être Mahmoud, peut-être. Tu penses ? Bah, je pense, parce qu'à chaque fois, il est bon. Il est pas là. Ah ouais ? Il l'a pas pris. Aïe ! Il l'a pas pris, Mahmoud. Moi, je l'aurais pris. Ouais, il est très bon. Peut-être qu'il a un truc, non ? Non, il n'y a pas de blessé. Ok, cool. Non, c'est juste qu'il a. Comme il le disait la dernière fois, en fait, là, il n'y a plus de blessés et ça va être difficile pour Lucas Esner de choisir. Attention, oh, une occasion pour Robes. Oh, attention. Ça revient avec peut-être Mikotadze. Il n'y a pas main, il n'y a pas main. Oh là là, il réclame une main, mais ça sera. Joujou est là, oui, en remplaçant. Ouais. Attends, je vais te dire les remplaçants du côté du HAC. Alioui, Joujou, Koné, Mbemba. Pas celui de Marseille, hein, celui ouais. De HAC. Et Yout Kinkwe, du côté du HAC. Ouais, je joue très fort, on a vu un but, je crois, le premier but. Ouais, l'autre fois, ouais. Oh, attention, ça a failli passer Desma cette fois-ci qui est sur la trajectoire. C'est encore lui, Maziz, hein, qui est l'occasion. Et tout à l'heure, but facile hein, du côté de Metz. Là, ils ont un peu plus du mal que de loin. Un peu plus de mal, pardon. Ouais, contre Laval. Ah, c'était contre Laval. Le magnifique but, il est venu côté droit, il me semble. Et puis, un peu à la Richardson, mais un peu plus près quand même. Ouais. Le but, c'était l'occasion de le voir à la fin du match, Teddy. Il est magnifique. Il y a un but aussi, je sais pas si tu l'as vu hier. C'était Aoulou de Strasbourg. Il a mis un but magnifique contre Marseille. Par transversal en 30. Ah ouais, il a failli tirer dessus. C'était vers le bas, j'imagine, non ? Eh ? J'imagine, ouais. Ah, ça remonte du côté. Grave, mais. Ouais. Mais est-ce. Ah, il y a faute ! Ah, là, il y a faute par contre. Attention, c'est qui a fait la faute ? Là, il y a faute de Cornette. Ah, ouais, Cornette. Ah, du coup, il a décidé de pas faire sortir Cornette. Très bon choix. Très bon choix. Très bon choix parce qu'il est dans son match. Attention, il va être content, Teddy. Il va être content parce que David Alioui va refaire son entrée et Joujou également. Ah, donc, ouais, c'est bien. Donc, tous les changements vont être effectués. Ouais, il y a 4 changements offensifs. Ah, attention, c'est pas encore qui va être remplacé. Bah, je pense que Cornette et puis. Pour l'instant, ça a été annoncé, mais on sait pas encore. Quand est-ce que ça va être remplacé ? Attention, la tête Messil. On essaye de passer une nouvelle fois côté droit. Mikotadze qui essaye de trouver vers la. Attention. Et Metz se réveille avec l'entrant de tout à l'heure, Skouka, je crois. Pas envie de dire de bêtises au niveau des noms des joueurs. Et attention, ça dégage pour le HAC. Pour l'instant, ça subit du côté du HAC. Ça a réveillé les Messins, le stade. Et en feu à Metz. Ah, Udol qui demande à ses joueurs. Qui demande un peu plus d'occasion là. Un peu plus de soutien de son côté gauche là, Udol. Et ça sera perdu. Et pour l'instant, le Havre qui arrive à récupérer ses qualités défensives. Et ça sera une faute, Messine. Yes. Ça sera une faute, Messine. Et ça sera Mikotadze hein, qui fait la faute, j'ai l'impression. Oui, c'est lui. Ils viennent presser à deux avec Maziz. Et faute sur Targalin. Ah, ça y est, deux changements qui sont faits. Cornette qui sort. Ouais, c'est vrai qu'on est à domicile. À domicile. Vous êtes Metz. Oui, il dit vous êtes à domicile, vous allez pouvoir dormir vite. Ouais. Avec, oh, attention, il est rentré avec son masque. Carré. Qui sort, ouais, ça se voit, il est fatigué. Joue qui rentre à plus de carré. Alioui, le Superman, le Hackman, qui fait son entrée. Et qui va peut-être mettre le but magique pour le HAC. On espère voir Sally très bientôt. Avec. Oh, le
Côté gauche, la récupération. Dommage. Elle a essayé de relancer le ballon, Péri, mais c'est se loger entre ses jambes. Ah, c'était joli, hein, vous l'avez pas entendu. On a dit qu'il y avait donc pas mal de joueurs qui étaient rentrés. J'ai dit doublé d'aller oui. Ah, faut pas. Je suis sûr que déjà un but, ça serait. Victor Lecal là, qui a failli faire. Qui a fait faute là, qui a failli avoir un carton rouge. Et on demande aux joueurs de se calmer un peu. On rappelle, hein, 4 cartons jaunes, ils ont pas été changés. Le Kessner qui a confiance en ses joueurs. Kel Rajam, Sangonte, Kangolo et Lecal qui a un carton jaune, faut faire attention. Et ils vont. Récupération. Ouais, récupération d'Opéry, mais attention de ne pas perdre ses ballons. Hein. Ça va être efficace avec l'attaque Messine qui va se rapprocher de plus en plus. 75e minute, on réclame un corner. Ouais, je pense que corner. Et ça va être corner pour le FC Metz. C'est comme ça qu'ils ont marqué tout à l'heure. Attention, hein, très efficace les Messins avec les coups de pied arrêtés. Et cette fois-ci, ça va être sur le côté gauche du gardien d'espace. Il va devoir défendre son côté gauche. Ok. Ah, moi j'espère voir au moins un but de joujou. C'est pas mal. Allez, c'est frappé. Bien défendu une nouvelle fois par les joueurs du Havre. Et on essaye de se rapprocher avec. C'est Mazis qui a essayé de revenir en arrière. On passe avec une nouvelle fois Mazis le centre. Ça ira trop haut, c'est sifflé par ses supporters. Ça va être compliqué, j'imagine, de marquer pour les deux équipes. On va voir qui c'est qui va marquer. Et on va voir. Ça va être. J'imagine. Et on a. Discussion avec l'entraîneur déjà. À la dalle. La tête. Attends sur Metz. Ouais, d'accord. T'as parié combien? Attention, la frappe! T'as mis 2-1 pour le Havre. Parce que là, il a failli y avoir un but de Metz. Et c'était une nouvelle fois à Mikotadze. Hein, la pépite de Metz qui a failli mettre un but et crucifier le Havre. Oh, de loin en plus. Ah, il y a coup franc pour Metz. Et coup franc pour Metz. Faute sur Richardson. Il a carrément enlevé sa chaussure. Il y a corner apparemment. Ah, c'était touché par. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Attends. Ah, il s'est fait un truc, Richardson. Il veut essayer de marcher. Mais il va y avoir un autre changement du coup. Ah, de Richardson ? Et Bemba qui va faire en centre. Ah. C'est un changement milieu, je crois, non? Il est bon, Mbemba, donc. Je sais pas, on n'a pas vu l'action où il se fait tamponner Richardson. Bah, j'ai pas vu. On va bien aimer voir pour voir la faute, comment s'est passée la faute, mais on l'aura pas. Allez, corner de Mazis, côté droit. La tête! Et ça ira. Ok. En 5m50 pour le HAC. On va revoir peut-être. Non, on voit le corner. Attends, j'arrivais bien à voir la faute parce que il s'est fait quand même. Il avait l'air d'avoir très mal là, Richardson. Ouais. Ça a l'air d'être compliqué. Hein. Bon, je pense qu'il va y avoir égalité. Je pense qu'il va y avoir égalité. Ah, il faut peut-être essayer de trouver Batman là, Aliwi. Avec. Dans sa Batcave. Batcave. Avec peut-être. Robin. La meilleure égalité, ouais. Ouais, ouais. Oh là 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 là, il y a faute. Oh, attention. Heureusement, il l'a pas vu. Hein. Faute des deux joueurs. Ah, il dit de se relever. Faut pas chercher la faute. Parce que depuis tout à l'heure, il la cherche, hein, clairement. Mais ça. Ouais, c'est vrai, ça serait pas. Ça serait déjà une. Ouais, ouais, ouais. Moi je pense une égalité, garder un nul ça serait pas mal parce que Metz se rapproche une nouvelle fois à côté droit, oh, la frappe bah, il pense qu'à lui. Oh, il l'a frappé directement Yalo là.
Oh là là. Attends, on va il regarder. Pense qu'à lui. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Hop. Là, il frappe direct. Pied gauche. Ah, pied gauche, c'était bien tenté parce que ça faisait une bonne frappe enroulée. Dommage, ça ira pas dans le cadre. Il aurait pu marquer. Hein. Et bon. Le Havre qui essaye de dégager, récupéré par les médecins. Richardson qui essaye de se relever. On va voir. Il arrive pas à mettre sa chaussure. Ça y est, c'est fait. Il arrive pas à mettre sa chaussure. Il arrive pas à mettre sa chaussure. Donc il va sortir. Ouais, il va sortir. Entrée de Mbemba. Aïe 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 aïe. Sa chaussure elle est morte, non? Je sais pas, mais apparemment là ça. Ça lui fait mal. Donc il va sortir Richardson. J'espère pas que c'est pas grave. J'espère aussi. Et il se fait siffler parce que là il prend son temps. Ouais, mais de toute façon tu peux pas courir avec un pied à moitié mort. C'est un peu compliqué. Allez, entrée d'Mbemba. Je crois que c'est un défenseur. Non, c'est pas un défenseur lui. Je me trompe avec. Je crois que c'est un milieu. Le genre de l'OM. Ouais, c'est un milieu qui va faire son entrée. Avec la tête, la passe, il a pas réussi, il n'y a pas faute. Avec le côté gauche, maintenant. Ouais, peut-être. Ouais, Targaline. Targaline, effectivement. Targaline avec le Cal. Il va la repasser pour. Alors là, je sais pas du tout. Je crois que c'est Joujou. Avec la passe pour. Ah, je vois pas, je vois Foulou en fait. Allez, c'est récupéré par Metz, on essaye de passer vers l'avant et ça a buté sur un joueur du Havre. Ça va être récupéré par Targaline qui va accélérer. Ah oui, la passe pour Grand Cyr, j'imagine. Grand Cyr qui arrive à passer, Grand Cyr. Avec la passe pour Targaline, Targaline la passe et ça passera il pas. Il a essayé de remiser sur son attaquant mais il ne trouvera personne tout simplement. Le gardien Messin qui s'énerve parce qu'il la trouve pas, il trouve pas de solution. Ils veulent jouer vite les Messins mais ils n'y arrivent pas. Les récupérations, bien joué. En même temps il n'y a pas de chance, il est Targaline hérité du numéro 5. Alors peut-être avec une nouvelle occasion du HAC mais récupéré par Metz. Le meilleur, attention. Allez, ça va passer à gauche avec Mikotadze qui est passé cette fois-ci côté gauche. Il permet hein, entre les deux côtés, que ce soit côté gauche ou droit. Allez, donnez Jean-Jacques. Mikotadze qui va peut-être essayer de le mettre. Ouf. Le tacle propre du Baf qui va dégager ce ballon. Ah, il est quand même fort, hein. Peut-être. Il arrive à passer facilement. Et hop. Il est efficace, hein. Dans les petits couloirs, le buteur géorgien. Et c'est arrivé le stade de Metz. Mais. On rappelle, hein, 6 victoires il y a de Metz. Ils seront deuxième et 6 victoires il y a du Havre, c'est 11 points d'avance. Donc ça serait déjà un bon résultat des deux côtés. Oh. Mais une égalité nous va très bien des deux côtés, que ce soit pour Metz ou le Havre. Ce qu'on rappelle, hein, une défaite de Bordeaux, une défaite de Sochaux, ça va faire remonter Metz dans le haut de tableau. Ouais, voilà, il s'est complètement raté. Hein. Oui, c'est ça, effectivement. Et en plus, il y aura un gros match la semaine prochaine. Les Verts, la Saint-Etienne face au Havre. Et cette fois-ci, je crois qu'ils sont pas au chaudron. Ils sont directement à domicile. Le Havre au stade Océane pour défendre leurs couleurs. Et attention, c'est frappé par Desmas. Il faut récupérer. Et le problème, c'est que c'est un peu difficile. Ah ouais, 15h. Ah, c'est tôt. Ok. Le match est à 15h, ok. la passe. Je pense que ça va être un gros match face à la Saint-Etienne qui est en bon état de forme. Il est revenu dans son championnat très très haut. Et attends, sur côté droit avec Kofi.
Ça se réveille, hein. Il va rester quelques 10 minutes à peu près de temps de jeu avec le temps additionnel. Allez, Mikotadze qui essaye de récupérer ce ballon, on retourne en arrière. Peut-être à gauche, avec Kandé. Udol. Ça sera perdu, récupéré par le Havre. Ah, ça paraît qu'elle est... Oui, oh, magnifique, il est tout seul, Grand Sire. Grand Sire, il est tout seul. Grand Sire, oh non. Ah, il bute sur le joueur messin. C'était la balle de victoire du côté du HSC. Attention, c'est récupéré. On périve, et c'est bien défendu par les messins. Ça va passer en contre-attaque avec le côté droit, avec Mikotadze. Il va se jouer d'un petit dribble pour éliminer son joueur, récupérer, relancer vers l'avant avec Yalo. Yalo côté gauche avec Udol. Allez, Mathieu Udol, le capitaine. On revient dans le centre avec dans les Jean-Jacques. On décide de passer à droite avec Ouao. Allez, on est dans le centre avec Kandé. Essaye de maintenir ce bloc offensif, hein, parce que le Havre est bien plus haut que tout à l'heure. On va essayer de récupérer de la tête. Oh! Eh non, il y a faute. Messine qui va gêner El Rajam. Il y a eu... Ouais, il y a eu faute là. Enfin, c'est plutôt pas... C'est une faute, mais plutôt gêné quoi. Ouais, Grand Serre, il aurait peut-être pu éliminer les deux joueurs en revenant en arrière, faire une roulette. Roulette tour du monde. Ah, deuxième changement pour Metz. Ouais, c'est Yalo qui sort. Et Gay, un truc comme ça, il va rentrer. Gay, ouais, qui va rentrer. Et ouais, Gay qui rentre et qui remplace Yalo. Du poste pour poste, hein, côté droit. Bon, je pense qu'il est fatigué, c'est pour ça qu'il le change. Très bien vu de la part de l'entraîneur, on essaye de le balancer, Desmas qui va le lancer. Oh, ah non, ça va être récupéré par le Havre, récupéré cette fois-ci par les Messins. Hey. Non, il se passe le ballon, ça sera récupéré par le Havre, décidément. Il y a beaucoup de joueurs en défense du côté de S. Et il y a une tête, enfin, il y a beaucoup de monde et récupération. Dommage. C'est sifflé, ça sera une touche Messine. Décide de passer vers l'intérieur peut-être avec Kandé qui va essayer de trouver. Oh attention. Ouh là 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 là, il y a faute. Attention, y a faute. Attention, il y a peut-être carton jaune. C'est Targaline qui fait la faute. Non, c'est Mbemba. Il y a peut-être carton. Allez, carton jaune. Et je pense que c'est... Carton jaune, comme s'il n'y en avait pas assez, ça fait quand même le... Mbemba qui vient d'entrer. Le sixième, non? 1, 2, 3, 4... Ouais, le cinquième. Le cinquième carton jaune. L'arbitre, il s'est fait plaisir, hein, du côté du Havre. Ouais. On a mis 5. Ah, un troisième changement du côté de Metz. C'est là qu'on voit la qualité, hein, parce qu'ils arrivent quand même à, avec un carton jaune, à rester dans le match sans prendre de carton rouge. Enfin, ouais. C'est une bonne défense. Mais ça change rien. Du côté de Metz, c'est toujours aussi agressif avec Mikotadze qui va essayer d'apporter quelque chose. Oh, la mauvaise passe de Mikotadze. Ah, la faute. Peut-être passer pour la chasser faute. Là, il y a carton jaune. Là, il y a grosse faute de Metz. Je crois que là, il doit y avoir carton jaune. Il doit y avoir carton jaune, mais j'ai pas l'impression qu'il y en aura. Effectivement, par contre, au niveau des... les stats sont... Enfin, pardon, sont juste là. Et on voit que la possession par contre est dominée par le Havre. C'est vrai qu'il y a eu plus de tirs côté de Metz. Ouais. Ouais, mais le problème c'est que... Allez, l'OM. Alors l'OM c'était hier. Ils ont fait égalité. Ouais, le truc c'est que le Havre c'est plus défensif qu'offensif. Donc forcément, dès qu'il y a une occasion, on essaie de le mettre au fond. Quoi. C'est pour ça que généralement il se réveille à la dernière minute. Ouais, voilà. Bon là je pense que ça va se terminer en égalité parce que Metz est très fort. C'est ce que cherche Luka Hesner, hein, je pense. Ouais. Parce que on a vu la domination hein, dès le début de... Le truc c'est que ouais... Oui c'est ça, on a la plus grande défense puisqu'on a encaissé que 11 buts par rapport à Metz quand on a encaissé 25. Par contre ce qui est bizarre c'est que tu vois ils ont meilleur buteur mais ils n'ont pas la meilleure attaque.
Ils ont pas enquêté, enfin ils ont pas mis autant de buts que ça quoi. Ouais. C'est juste le buteur qui est très très fort, Miko Tadze, côté de Metz. Et on parle pas assez, mais il y a aussi le gardien messin Ougja, qui est, je trouve, le goal algérien qui est très très fort. Ouais, ouais, il a tout arrêté tout à l'heure. Il a tout arrêté, il est trop fort. Ouais, il est très très fort. Ça va envoyer du côté de Metz, et le Havre qui a un ballon. Ouais, il y a attention. Faute là, mais il n'y a pas faute. Ouais, non, il n'y a pas faute, 90e minute. Il y a eu un gros arrêt de jeu tout à l'heure quand Richardson est sorti. Il y a 3 minutes de temps additionnel peut-être. Aïe. Et attention, ouais. Une faute du HAC sur un joueur messin. Ah, c'est la bouche, mais il faut se relever là. Terre, c'est Skouka qui est à terre. Ah, il s'est pris un petit coup, ouais, mais c'est... Ouais, un petit coup d'épaule, je crois, de la part d'El Rajam. Dans la bouche, mais... Bah, c'est pas voulu. Et c'est pas voulu, donc... Ouf. Voilà, il y a... Enfin, après, c'est carton rouge, pour que ça soit un carton rouge, faut que ça, vraiment, que ça soit vraiment... On essaye de... Pas voulu, enfin, pas voulu, quoi. De descendre ce ballon. Metz qui récupère ce ballon, qui concède, hein, toujours la possession. La tête. Ah, c'est bien récupéré par Opéry. Opéry qui fait une bonne opération dans ce match, qui récupère toute la tête. Ouais. Et ça aide le Havre, hein, ça conforte le Havre dans sa défense. Ça évite d'être troué. Ah, il n'y aura pas 3 minutes, il y aura 4 minutes de temps additionnel. Il va y avoir encore beaucoup d'occasions, hein, que ce soit des deux côtés. Entre le Havre et Metz, c'est attention, ça serait une occasion cette fois-ci pour le Havre avec Victor Lequel qui va essayer de choisir El Rajam. Il reste 3 minutes la tête. Oh là là là, ça prendrait malheureusement. Il reste 3 minutes. 3 minutes. Ah pour, c'est corner, il le touche. Corner. Et Ougja qui... Moi je pense pas qu'il le touche, attends on va vérifier. La tête non, de... Non. Non, il le touche non, pas. Non, non, il le touche pas. Non, non. Non, 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 il ne le touche pas. Du coup, il n'y a pas corner. Si, il y a corner. Ouais, il y a corner pour le Havre. Ok. Bon. Corner pour le Havre à la 91e minute. Il reste combien 3 minutes. Oh, attention bon. Allez, Ougja qui demande la balle pour jouer vite, pour essayer de gagner ce match. Et Lucas Eisner qui montre qu'il faut bien se replacer, hein, directement redescendre. Ah ouais? Ah ouais? Incroyable. En même temps, le Maroc, très bonne équipe. Et Piquechta, en plus, c'est... Attends, il n'y a pas un de ses collègues là? C'est solide. Hein. Bah si, il y a El Rajam qui est marocain aussi. Ouais, mais je pense que Hakimi va prendre... Ah oui, c'est vrai, il y a Hakimi. Oh, la récupération, bien joué avec le torse. On récupère sur Mbemba, mais on essaye de passer. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il y a... Une faute. Ah, il y a deux fautes, c'est oui, logique. Ils font deux fautes. Ce sera pour Metz ce dégagement. Et attention, hein, il va rester peut-être 2 minutes pour Metz de marquer ce but. L'entraîneur de Metz qui veut marquer. Merci à tous. Hein, je vois qu'il y a des likes qui pleuvent dans le chat. Et merci à tous. Hein, merci à tous de liker, ça fait plaisir. Et attention, nouvelle occasion pour Metz. Petit pressing hein, du côté gauche avec Skouka qui va essayer de presser Victor Lecal. Victor Lecal qui est descendu bien bas et ça va dégager le ballon. Je pense pas qu'ils vont chercher la victoire. Hein. Juste Metz, ils vont essayer, mais je pense qu'ils vont mettre en défense, full défense. Déjà faire égalité alors que Metz est à domicile avec le meilleur buteur du championnat, je pense que c'est déjà une très bonne opération et ça montre que c'est la meilleure défense. S'ils arrivent à toujours garder ce. On prie hein, pour le Havre et pour Metz de garder ce résultat. 1-1, ça serait très bien des deux côtés. Alors on essaye de dégager ce ballon pour perdre du temps. Que ce soit des deux côtés pour garder ce score. En soi, ce serait sympa, ouais. Moi, je pense que c'est ce que Lucas Eisner veut. Mais attention, hein, ça se réveille du dans le stade de Messin et ça sera bien récupéré. Il coupe toutes les passes hein, au PAI. Décidément, et Grand Cyr qui est trop haut et qui va pas pouvoir récupérer ce ballon. Je préfère en vrai que ce soit Metz. Je préfère que ce soit Metz qui monte en Ligue 1 parce que du coup, Bordeaux, c'est fort quand même. Même s'ils sont un peu nuls sur des points.
Et voilà, Sochaux, ils sont beaucoup trop forts. Mais ils perdent quand même. Le truc, c'est qu'il faudrait que ça soit Metz, puisqu'on les connaît depuis longtemps. Mmh. Ils ont connu les Ligue 1. Donc, nous, on pourrait essayer de les leur mettre un taquet dessus. Dès qu'on, si on monte. Et il va rester 10 secondes dans ce match pour essayer d'apporter un but du côté de Metz. Tous les joueurs sont debout. Ça crie très fort. Et attention, peut-être le dégagement de Oukja. Ah, ça va lancer. Oukja, la tête. Le dégagement, c'est et fini. C'est sifflé. C'est fini. Et le score est parfait. Des deux côtés, 1-1. Il y a aucune victoire des deux côtés. C'est un bon score pour les deux. Ouais. Et ils sont un 25 peu matchs. 25 matchs sans défaite du côté du Havre. Très très bon résultat pour le Havre. Il réalise quand même une 25e journée sans défaite. Lesner qui doit être très fort de. Enfin très fier. Ouais. Très fier de son équipe. On va rappeler vite fait les scores qu'on a eu, c'est donc 2-1. Grenoble Annecy, Guingamp Dijon 2-0, Laval Paris FC 1-0. 1-2. Nîmes qui est en métropole 2-0, Pau Senior 1-0, Rodescan 3-2, Saint-Etienne Amiens 1-1. Valenciennes, Bastia 2-2, 1-1, Sochaux, Bordeaux, et bien évidemment Metz, Le Havre 1-1. Ouais. Et du côté du classement. Alors, du côté du classement, on aura donc Le Havre premier avec 56 points, Bordeaux avec 47 points, Sochaux 46 et Metz avec 45. Ils resteront pour l'instant 4e, mais s'ils gagnent et que Sochaux perd. Et Bordeaux aussi, ils pourront passer devant les Messins. Il y a moyen de passer devant. Ensuite, 5e Bastia, 6e Grenoble, 7e Caen qui redescend. C'est un peu dommage pour Caen. 8e Quevilly, qui, bon, je pense pas qu'ils pourront jouer la montée. 9e Amiens, 10e Guingamp, 11e Paris FC, 12e Valenciennes, 13e Saint-Etienne qui est plutôt bien. En termes de points, mais ça peut aller très vite, donc faut pas perdre. 14e Annecy, 15e Laval, 16e Pau, 17e Rodez, ça commence à être un peu chaud. Dijon aussi, et Nîmes. Donc, attends, il n'y a pas 20 clubs là? On n'est pas un peu. Il y a un manquant là? Il en manque un, effectivement. Et Senior. Et Niort. Ouf, Niort d'habitude qui est très haut dans le classement, là ils sont tout en bas. On rappelle, hein, donc la semaine prochaine. Dans le calendrier, ça sera le premier match qui sera joué, ce sera Paris FC Amiens le 14. Et les matchs qui seront commentés, ce sera Le Havre Saint-Etienne à 15h. Déjà directement, on commence avec du Loir à 15h. Et on aura tous les matchs à 19h à commenter. En multiplex, de gros matchs hein, qui nous attendent. Ouais. Comme c'est pas mal. Ah, salut Le Manso FC. Salut. Et on a bien sûr des bons résultats. Donc, je pense qu'on va pouvoir terminer là. Ouais, ça a été un très bon match, un très bon score hein, des deux côtés. Si vous voyez le fond vert bouger, c'est normal. Il y a un petit chat qui s'amuse derrière, un rideau. Il s'amuse un peu derrière. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. On se retrouve donc la semaine prochaine pour Le Havre. Face à Saint-Etienne, ça sera un gros match à domicile et ça sera le feu face au vert. Allez, on se retrouve le samedi prochain pour le match de folie. Allez, à plus.